Ông quýt cho. Please be seated. Ông nhìn ra cả bên tôi. The chamber is now back in session. And I would like to give the floor to the International Deputy Co-Prosecutor to present the key documents. You may now proceed. Thank you, Mr. President. I was in the second group of documents. J'en étais présenté la deuxième série de documents, evidence of relating to Sector 13 and the Southwest Zone, showing that before, around the same time, and after the meeting alleged autour de la réunion à laquelle il a fait allusion, Salvan, que des exécutions des anciens responsables militaires de Lon continuaient. Anchor Shay district. This was another district ce in district Sector 13. It's the district where this alleged meeting took place. District où and cette supposée réunion document a document E319/19.3.125 is a statement from a person who was a member of the commune committee quelqu'un qui était au comité de commune dans le district d'Ancorche au secteur 13. At answers 10 through answer 17, answers 10 through answer 17, he describes how 1 or 2 weeks after the fall of the Lon Nol regime, pursuant to orders from the upper echelon, former Lon Nol soldiers, and I quote, holding ranks of second lieutenant and higher, sous-lieutenant et plus, were called to a meeting, taken away, and killed. À une réunion, ont été emmenés et ont été exécutés. Another district in Sector 13, un autre district was au secteur 13 était Kiribon district. Document E319/13.3.20 was a statement from a witness who was a chief d'un témoin of a 10 household unit d'une in the Lon Nol foyer sous le régime de Lon Nol. And this is at answers 15 through answer 25 and answers 37 through answer 44 of the statement. De sa déclaration. He describes being part il of a group décrit comment of 180 Lon Nol soldiers, as well as 10 and 50 household unit et chiefs, unité, et chef d'unité de 10 who à 50 in foyers, October of 1975 qui, en octobre 1975, were gathered at a pagoda ont été in Kiribon à une pagode à Kiribon par Ye Bo. Ye Bo, who at that time Bo, was a member of the Kiribon District Committee. Du comité de district de Kiribon. He describes how this group donc il décrit of 180 comment ce groupe Lon Nol de 180 soldats de Lon Nol et fonctionnaires ont été emmenés dans la forêt et ont été exécutés. Il a eu la chance d'en échapper. Ye Bo, I will remind you, je vous rappellerai que Ye Bo était la sœur de Ye Bun. And she was the person who became et the district chief in King's chef Vi de district, dans le district, district de Salvan went to district où Salvan after est allé après Tramcock. Also from Kiribong district, aussi dans le district de document E3/95/98 answers 14 réponse through 14 answer 15 à this witness describes a meeting chaired by Kiribong district secretary district de Kiribong, who was the brother-in-law qui était le beau-frère de Tamok. This was a meeting in late 1976. At answers 14 to 15, he states, il déclare, I attended a meeting chaired by Tatit at Wat Prey Romdung. And Tatit declared Uy Sim, a former Lon Nol official, as a traitor. At that meeting, Uy Sim was shackled and ordered to walk around to identify those who had served in the Lon Nol administration. I have never seen Uy Sim again. He must have been taken to be killed. Tatit declared that he was Anker's enemy. Lui-même qu'il était l'ennemi de l'Anker.
and some references from some other districts that were also part of the Southwest Zone. Qui faisaient partie de la zone sud-ouest. A Bati district in sector 33 dans of the Southwest zone sud-ouest. And I'm reading here from Meng Tree Yi's book, ici le livre de Meng Tree, E3/2120, E3/2121. Meng Tree Yi did extensive. This is a book about Southwest Zone security. Avait rédigé un ouvrage sur les centres de sécurité de la zone sud-ouest. C'est donc en anglais 00416 382 Khmer 01098 793. No French translation. Pas de traduction en français. Meng Tree writes the following about Bati ce qui suit au sujet du district de Bati. Chin, Bati district chief, le chef from du district de Bati, 1970 to 1975, saw a list of prisoners held at the district re-education au centre de rééducation du district. He explained that those on the execution list, ceux qui étaient sur la liste de gens exécutés, avaient été nommés. He observed that in early 1976, there were many more Lonol soldiers and policemen than in other categories. On the same year and pages, même page, Meng Tree also writes about a Prey Kaba écrit à propos du district de Prey Kaba dans le secteur 33 de la zone sud-ouest. Quote, in mid-1975, à la mi-1976, Toye, chef du sous-district de Kampai, a reçu le plan du parti du district de rechercher, d'arrêter et d'envoyer les soldats de l'ONU à l'échelon supérieur. Après avoir obtenu leur biographie, Toye a donné l'ordre d'arrestation, de faire arrêter beaucoup de ces gens et envoyer des rapports à leur sujet au district, au comité de district de Prey Kaba. Je vous rappellerai que le chef du district de Prekaba était le frère cadet Chong, le frère cadet de Tamak. Last district that I will discuss. Un dernier district dont j'aimerais parler pour la zone sud-ouest est le district de King Zwei. The very district that Sao Van and Ye Bao, who we talked about earlier, Sao Van were assigned to in 1976. E3/4659 is an interview of a base person from King's Vai district, conducted by SOAS. And this is what that witness stated took place after the Southwest, voilà ce que cette personne a déclaré, after Bao and the Southwest cadres came. Quote, au sujet de ce qui s'est passé après l'arrivée des gens du sud-ouest. Les gens du sud-ouest ont remplacé ceux de la zone est. Ceux de la zone est avaient libéré les alentours, les soldats de Chan Chak Rai qui avaient été arrêtés par la suite. Bao venait souvent inspecter. Elle était grosse, haute et foncée, et petite, elle était bonne oratrice et vicieuse. Si elle désignait quelqu'un à tuer, ils étaient morts. Le centre de sécurité a été créé quand Bao et Klang sont arrivés. Cette personne qui a été identifiée comme étant chef du centre de sécurité. Continuing. The Southwest zoners began looking for teachers and others. The chairman of work units and cooperatives would make reports to Klein, and then they would be arrested. Et ces personnes étaient ensuite arrêtées. My brother-in-law, Nguyen, then about 50 plus, âgé à l'époque de was arrested in Chutil sub-district at Rusey-Srock. He had worked as a minor functionary at public works and was accused by people in the village of being a major. And I also refer your honors to a DC CAM statement, E3/5637, from another witness from King's Vai district, who also discusses an incident in which information about prisoner arrest accused of being a second lieutenant. Concluding with my third group of documents on which I will be very brief. Parler brièvement de la troisième série de documents que j'entends présenter. Is evidence. Cette série de documents sont des preuves documentaires qui confirment l'arrestation et l'exécution d'officiers de l'armée de Lanol et qui montrent que ces arrestations
Et ces exécutions ont continué après mai juin 1964, c'est-à-dire après la période alléguée de cette réunion dont Salvan avait parlé. E3/832, un document que vous connaissez. Il s'agit d'une liste en date du 4 juin 1975, qui identifie 17 traîtres que le parti avait étudié et avait décidé qu'ils devaient être éliminés. C'est du camarade Kim, qui était le président, secrétaire de la division 703. Ce que j'aimerais noter au sujet de ce document, aux fins d'aujourd'hui, is who the people are. C'est justement les noms des personnes qui y figurent. Of the 17 traders sur les 17 traîtres qui figurent sur la liste que le parti avait choisi d'éliminer en juin 1975, on peut voir un colonel, 5 lieutenants-colonels, 3 majors, 1 captain, 1 capitaine, 5 first lieutenants, and 5 premiers lieutenants et 1 sous-lieutenant. These are all people of ranks. Ce sont des gens qui occupent des rangs, donc des grades, c'est-à-dire entre le sous-lieutenant et le colonel. Ce groupe que Salvan avait dit devait être épargné. S21 records. Les registres de S21, j'y fais référence très rapidement, je m'en suis déjà servi dans cette audience. Document E3/1539 is a list of 162 soldats de l'ONOL et fonctionnaires ainsi que membres de leur famille qui ont été exécutés ou qui sont morts de maladie à S21 entre le 22 et le 30 mars 1976. Et j'aimerais souligner aujourd'hui que sur cette liste figurent 4 colonels, 11 lieutenants-colonels, 5 majors, 6 capitaines, 17 premiers lieutenants et 14 sous-lieutenants. Ce qui montre que ces soldats de l'ONOL occupant ces grades continuaient d'être arrêtés et tués après la réunion que Salvan a décrite. Another S21 document, just to refer you to. L'autre document de E3/3973. This is an S21 execution log. And if you on pages journal d'exécution de S21 et à la page Khmer 00664642 through 6646 English en anglais 00837 571 581 à 581 French et en français 00875 960 à 976. This part of this execution log. Cette partie du journal d'exécution montre une liste de 206 militaires de la République Khmer qui avaient été détenus et exécutés à S21. Dans ce même document, on retrouve une liste de 60 anciens fonctionnaires de l'ancien régime qui ont été exécutés. Et finalement, j'aimerais faire une référence très brève au fait qu'il existe des pièces émanant du district de Tramcock, le district de Salvan, qui montre qu'en 1977, il y a eu des arrestations et des exécutions en masse d'officiers de l'ONOL. Je ne le citerai pas, je vous en ai déjà fait la présentation, mais je vous rappellerai que un de ces documents, E3/2048, est un rapport de cette commune dont venait Salvan, la commune de Cheng Tong, et qui fait référence aux instructions successives de l'Ankar de procéder à la purge des officiers ennemis. Permettez-moi de conclure en faisant référence à une recherche qu'a fait Henri Locard et Heng Ming Tri. Donc les deux ont étudié
the surviving Krang Tachan and Tram Kok records. Les dossiers de Tram Kok et de Krang Tachan qui ont survécu au régime ont découvert que la moitié des prisonniers envoyés à Krang Tachan étaient d'anciens soldats et policiers de Lon Nol. The references for you, la référence est la suivante. Le rapport d'Henri Locard, en titre district de, qui porte le titre donc district de Tram Kok sous l'emprise des Khmer Rouges. Je n'ai pas le document code E3, mais j'ai l'ancien numéro D319/1.2.16. And the Khmer ERN 00739044044. English en anglais, 00217700-701. French 00743759-760. And the same conclusion from Meng Tri Yi, Meng Tri Yi en tire les mêmes conclusions après avoir étudié ces documents dans son ouvrage La chaîne de terreur. Madame, Messieurs les juges, voilà qui met fin à notre présentation sur les pièces au sujet du groupe des soldats de l'ancien régime. President, thank you. Now the chamber gives the floor to the defense counsel for Khieu Somphone. You may now proceed, counsel. La défense de Khieu Somphone. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Nous allons nous aussi nous livrer à cet exercice un peu fastidieux. I will also engage in this fastidious exercise. Passer en revue certains documents. Je précise que le choix de ces documents était d'autant plus compliqué pour la défense de Khieu Somphone que nous ne savons pas quelle va être la position définitive de la Chambre sur la comparution ou non de certains témoins et notamment experts. Et je pense notamment à deux TCE 92, deux TCE 87 et deux TCE 99. Et il va de soi que nous estimons que certains documents ne sont pleinement utiles et compréhensibles que dans la mesure où nous avons une discussion avec des sachants ou des personnes qui ont étudié la question. En toutes ces causes, sur le segment des CHAM, deux documents que je voudrais mettre en avant à l'attention de la Chambre et des partis. Premièrement, un extrait d'une émission de radio du Kampuchea démocratique en date du 23 octobre 1975, document E3/272. Il n'existe, en tout cas version papier, simplement en anglais. This document only in English. 00167520. C'est une émission, alors je le conçois bien volontiers, de propagande, mais il est intéressant de noter que dans le cadre de cette propagande, on parle des musulmans. Le titre de l'émission est le suivant en anglais. Muslims guaranteed full democracy. Et l'intérêt de cette émission de radio et de montrer que à ce moment-là, le 23 octobre 1975, il était important de présenter le groupe des musulmans CHAM comme faisant partie de la révolution et participant aux efforts de la révolution, notamment, et là c'est l'objet de cette émission radio, pardon, dans le cadre de la production pour le pays. Je renvoie également à un autre document qui est un extrait de transcript dans le procès 02/1, et c'est pour ça que je le cite aujourd'hui. C'est le document E1/192.1 qui est un extrait de l'interrogatoire de l'expert Short vers 9h37 ce jour-là.
et interrogé à l'époque par mon confrère Copé, il évoque la question des Vietnamiens et des Tchams de façon générale. L'extrait commence donc à partir de 9h37. Je vais m'attacher à la deuxième partie de la réponse de l'expert short, et la question de mon confrère Copé était la suivante. Answer, and the question put in by Mr. Copé was as follows. Pour rebondir sur votre réponse, to lundi, vous avez prononcé answer, le mot qui commence par G, génocide. Je ne vais pas vous poser de questions juridiques à ce sujet, bien sûr, et si je m'adresse au juge. Subject, effectivement, cela relève de la Chambre de dire s'il y a eu ou non un génocide. Chamber, à la page 446 de votre livre, ERN 00396662, vous dites que les Khmers rouges n'ont pas tenté d'exterminer un groupe national ethnique ou religieux, soit les leurs, les Vietnamiens, les Chams ou d'autres. Vous êtes catégorique en disant qu'à votre avis, il n'y avait pas de telle politique. Sans employer le mot qui commence par G, pourriez-vous expliquer ce que vous vouliez dire? Et la réponse de l'expert short est la suivante. C'est très difficile de répondre à la question sans utiliser ce terme. Je vais citer George Orwell. Il y a des fois où le premier devoir d'un homme honnête consiste à dire que 2 et 2 font 4. La définition d'un mot, si elle est transformée pour correspondre à une définition légale, c'est très dangereux, car les mots ne veulent plus dire ce qu'ils ne veulent dire. Et là, nous entrons dans une zone de turbulence inconnue. C'est donc difficile. Je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas eu de tentative d'exterminer quelque groupe ethnique que ce soit. La situation du Cambodge est totalement différente de celle du Rwanda, de l'Allemagne nazie, où là, il y a eu une tentative d'exterminer les Juifs pour ce qu'ils étaient. C'était des Juifs et donc ils devaient être exterminés. Les Tutsis devaient être exterminés au motif qu'ils étaient Tutsis. Cela ne s'est pas passé au Kampuchea démocratique. On cite souvent les Tchams comme exemple, tendant à prouver que ça a été le cas. Il y a eu une tentative de les exterminer. Mais pour les Tchams, le problème c'est qu'ils avaient une culture propre, profondément enracinée, qui différait de celle des autres et des Khmers. Et pour Pol Pot et pour la politique du Kampuchea démocratique, il s'agissait de rendre tous les gens égaux. Ceux qui se distinguaient subissaient davantage de pression pour devenir des égaux. Dans le cas des Tchams, on les a dispersés aux quatre coins du pays dans le cadre d'une répression sauvage de leur rébellion, mais cela n'est pas la même chose qu'une tentative consciente d'exterminer un groupe particulier. Fin de citation. C'était la position de l'expert short à l'audience dans le cadre du premier procès. J'en viens maintenant au document sur le segment des Vietnamiens. Et là, je continue sur l'expert short. Document E3-9, extrait de Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar, et le RN en français qui m'intéresse est le 00639721, et je vais faire des extraits jusqu'à 2-5. Et en anglais, 00396406, et les extraits qui m'intéressent poursuivent jusqu'à 409. Il n'y a malheureusement pas de traduction en Khmer. There is no Khmer translation of the document. Dans le premier extrait qui m'intéresse, l'expert short évoque les conflits historiques qui ont opposé le Cambodge au Vietnam. Et il est intéressant de noter qu'il confirme ce que nous avons entendu devant la Chambre à plusieurs reprises par des témoins, et notamment je renvoie au témoin Krum Sarat à l'audience E1-383.1 du 27 janvier 2016, où il expliquait que les problèmes avec le Vietnam, il en avait entendu depuis même l'époque de son grand-père, et c'était vers 9h29 et 24 secondes.
Ça a été également un point évoqué par le témoin Mivoun à l'audience du 3 février 2016 vers 10h07 et 7 secondes. C'est simplement pour remettre l'extrait que je vais lire en perspective par rapport à notre procès. Donc, à l'URN en français 00639722, l'expert Short évoque ce qui s'est passé dans le cadre avec les Vietnamiens sous Lon Nol, et voilà ce qu'il dit. C'est la fin de la page. Lorsque l'on découvrit que la chair à canon ne constituait pas une défense efficace contre l'ennemi héréditaire, le gouvernement de Lon Nol dirigea sa fureur contre les civils vietnamiens. Le couvre-feu fut imposé aux seuls Vietnamiens et pour leur propre sécurité, des familles entières furent parquées dans des camps de fortune. Contrairement aux manifestations antérieures au coup d'État, lors desquelles les Vietnamiens avaient perdu des biens, mais où personne n'avait été blessé ni tué, on assista cette fois à de véritables pogroms. Et il continue en prenant un exemple sur ce qui s'est passé sur des cadavres qui se trouvent du côté de Nhi Cuong et d'événements du 10 avril, à l'époque de Lon Nol. Fin de citation, simplement pour rappeler que la question vietnamienne ou les difficultés qu'il y a pu avoir avec le Vietnam n'ont pas été créées par le gouvernement du Kampuchea démocratique, et que c'était des éléments et des soucis et des exactions qui ont pu avoir à l'égard des Vietnamiens dans le cadre de problèmes bien antérieurs à l'époque des Khmer Rouges. C'est un élément que l'on retrouve également dans un document, dans un article de Henri Locard du Cambodia Daily en date du 15 avril 2014. C'est le document E3-7283, ERN en anglais 00993774, et ça se poursuit sur la page suivante. ERN en Khmer 01 1 1 4 2 4 5, et ERN en français sur la partie qui m'intéresse. Il n'y a pas d'ERN en français, c'est un article qui n'existe qu'en anglais et qui n'a été traduit qu'en Khmer. Dans cet article, Henri Locard revient sur la question des Vietnamiens sous Lon Nol, et il parle également, et c'est pour ne pas revenir à ce document plus tard, et il y a une citation également sur les Chams. Donc je vais citer cette partie-là, donc en anglais 00993774, ce sont les deux derniers paragraphes de la page. As for the Vietnamese, quant aux Vietnamiens, they were the least unfortunate of all Cambodian residents since the some 300,000 Vietnamese citizens who had been spared the Lon Nol programs in 1970 were required to leave the country. Dans les années 70, ont dû quitter le pays. Not only did most of them take the opportunity to run away from the hated regime, ont pu fuir le régime, but Sino-Khmer, or Khmers with some with snippets Cambodian of Vietnamese language, ou ceux qui avaient, also desperately tried to go through the border. De langue vietnamienne, qui parlait un peu le vietnamien, ont essayé we de must prendre, not forget partir either pour la that genocide is a politically charged term in this country and has been used since January 1979 for political expediency. Pour des raisons politiques. As to the Chams, indeed, they were victimized effet, more than other groups, but this was not because of their ethnicity, but because they rebelled en masse in Kwapchima district in Kampong Cham province, for instance, and refused to abstain from performing their daily prayers. All religions were banned,
except the worship of Ankar, toutes les religions with its rituals and vast meetings. Sauf le culte de l'Ankar, ainsi que les rituels, avec ses rituels situation. Et ses grandes réunions. End of quote. Et Henri Locard poursuit dans cet article sur le fait que lorsque l'on compare les tueries qu'il y aurait pu avoir dans le cadre des autres habitants, il ne peut pas conclure qu'il y a eu une volonté particulière à l'égard des Cham. Exterminate the Cham. Je reviens à un autre extrait de l'ouvrage de Philip Short, E3 Barnes, où il évoque également le rapatriement d'environ 150 000 Vietnamiens entre 1973 et 1976. Cet extrait que l'on trouve à l'URM en français, 00639-8400, et à l'URN en anglais, 00393-6506, est intéressant parce qu'il renvoie à un incident to an incident that was discussed by witness Prum Sarat at the hearing of 27 January last, document E1/383.1, as of 11:10:04 in the morning, when he was answering a question that was put to him by Judge Lavergne. Voilà l'extrait. And this is the excerpt I would like to quote. Là, le témoin, the expert witness parle des relations vietnamiennes avec le Cambodge. Between Vietnam and Cambodia, and he says, au début du mois d'août, le douane rendit la possibilité aux Cambodgiens, en se rendant à Phnom Penh pour une visite que le journal du parti vietnamien Nhan Danh qualifia de cordial. Quelques jours plus tard, Nguyen Van Linh annonça à Nguyen Chia que les unités vietnamiennes avaient évacué l'île de Hoai et s'apprêtaient à relâcher 600 soldats cambodgiens qu'elles avaient fait prisonniers. Fin de citation, je m'arrête un instant pour dire que c'est cet incident qu'a évoqué Prum Sarat lors de l'audience que j'évoquais plus tôt. Je reprends les échanges de messages ultérieurs contenaient des déclarations vibrantes de solidarité militante et d'amitié indestructible. Des bureaux de liaison furent établis dans les provinces frontalières et les heures armées cessèrent presque entièrement. Le rapatriement de familles vietnamiennes du Cambodge se poursuivit tout de même. On estime qu'entre avril et décembre, 150 000 Vietnamiens regagnèrent le Vietnam, alors que des milliers de réfugiés cambodgiens qui avaient fui la protection des Khmer rouges prenaient la route en sens inverse. Traveling in the other direction. End of quote. ERN en français 00028 3 70 ERN en Khmer 00032 3 2 3 7 4 6 ERN en anglais 00033 3 2 3 6 9 9.
And ce qui est intéressant, what's interesting here is that this is an article that is dated 10 January 1976 avec les précautions, bien sûr, all of the caution, prendre, of course, that we must take with regard to statements made by refugees in this article. However, François Ponchaud describes what he heard from certain refugees at the border, the Thai border. Et, and dans cet extrait, in this excerpt, qui se termine par l'URN 70, at URN 70 in French, français, page 17 in the French version, dans cet extrait, in this excerpt, he speaks about la présence de the presence of Vietnamese encore, à cette date, dans certaines régions du certain Cambodge, of Cambodia, il se pose la question de savoir date, 10 January 1976, est-ce qu'ils sont toujours présents. If they are still present. Et voilà and ce que Ponchaud is what Ponchaud writes. Il semble au contraire contrary, que les Vietnamiens du Cambodge ont Cambodia eu la possibilité de rejoindre leur pays d'origine going back to their original dès le début de juin. As of the beginning of June. À Chamkarle, un officieux Viet Cong officer, dit-il dans cette version, in this version, Front de Libération Nationale du Sud-Vietnam, the National Liberation Front of South Vietnam, came on 3 June to tell the population les trois peuples du Vietnam, the three people of Vietnam, Cambodge, et Cambodia et Laos, frères, were brothers, et que si les Vietnamiens voulaient retourner dans leur patrie, ils le pouvaient. They could. Plusieurs Pompinois se sont fait passer pour Vietnamiens et sont partis dès le 6 juin pour le Vietnam. Chemin faisant, ils ont rencontré de très nombreux cadres Viet Cong installés au Cambodge depuis plusieurs années qui rentraient au Vietnam avec leur famille et tous leurs biens. Ces cadres étaient rapatriés en camion alors que même devaient faire le chemin à pied. Je me pose un instant like pour stop me for a little while. Okay. Sure. I think the translators will... Je suis désolée, il va vous falloir ralentir, sans quoi vous rendez la tâche difficile aux interprètes, dit la juge Fentz. Effectivement, c'est un gros travers de ma part. Je vais essayer d'aller plus lentement. To go a bit slower and to control myself. Donc, dans cet extrait, in this excerpt, la question qui a été abordée également à plusieurs reprises au cours de cette audience des négociations sur le retour de certains cadres qui étaient présents encore au Cambodge est abordée. Et Ponchaud poursuit sur la même page. À la même époque, un médecin de Batang Bang a été autorisé à rejoindre Saigon. Vers juillet, une délégation vietnamienne est venue chercher les ressortissants vietnamiens de la région de Thac Mau à raison de 500 à 1000 personnes par voyage. C'était plus important encore dans la région de Banam, ajoute un témoin. Vers la fin octobre, 600 Vietnamiens de la région de Batang Bang ont été rapatriés sur le Vietnam à bord de trois embarcations qui ont quitté Mongol Borei, passant par Phnom Penh, où elles n'ont pas pu faire escale. Le 8 novembre, ça c'est un témoin qui parle, alors que le paddy était presque bon à moissonner, les autorités nous obligèrent, les Vietnamiens de Croc Mar, à quitter le Cambodge pour aller au Vietnam. Seules 6 ou 7 familles obtinrent l'autorisation de retarder leur départ. Fin de citation. Donc là encore, ces témoignages de réfugiés, tels que rapportés par Ponchaud, semblent indiquer qu'il y avait effectivement des accords entre l'État vietnamien et l'État cambodgien pour le retour de leurs ressortissants. Et la mention d'une délégation vietnamienne qui est venue rechercher des ressortissants vietnamiens quelque chose qui est intéressant de noter. Nous continuons dans la chronologie. Et là encore, parler d'un extrait de l'ouvrage de Philip Short, E3/9, cette fois-ci à l'URN en français, 00-6-3-9-5-2, à l'URN en anglais, 00-3-9-6-5-8-7, et ça se poursuit sur la page suivante.
Là, nous avons here, vu que chronologiquement parlant, il y avait un moment où les deux États étaient encore en train de parler avec des retours de ressortissants de part et d'autre, avec une volonté Vietnam, encore affichée de dialogue. With a desire indeed to discuss. Et là, on se rapproche here, we're coming, en temps de la période 77 et 78, et à ce moment-là, then, à cet extrait, Philippe Short évoque la présence de camps d'entraînement pour réfugiés Khmer, for Khmer refugees, chez les Vietnamiens. In Vietnam. Ça commence à l'URN en français 006-39-951. C'est les deux dernières phrases du document. Au début de l'été 1978, les deux principaux acteurs du drame commençaient à se jouer. Le Vietnam et la Chine avaient surmonté toutes leurs hésitations et se préparaient pour de bon au dénouement inévitable. Les Vietnamiens établirent des camps d'entraînement pour les réfugiés Khmer dans d'anciennes bases militaires américaines au sud du pays. In the south of Vietnam. Le Duan et le Dicto rencontrèrent pour la première fois des hommes susceptibles de prendre la tête de la future résistance Khmer. Son Dong Minh, qui avait dirigé le parti cambodgien au début des années 50, avait succombé à une attaque d'apoplexie en 1972. Et certains de ses collaborateurs étaient restés au Nord Vietnam, où ils avaient été rejoints par des cadres Khmer Rouge qui avaient fui après 1975. Tous étaient des personnalités subalternes. Ben Sovan avait travaillé pour la station de radio du Funk au début des années 70, avant d'occuper un poste de commandant dans l'armée vietnamienne. Wu Tang était un ancien combattant Issarak du Nord-Est. Hun Sen, un jeune commandant militaire Khmer Rouge, avait fait défection à l'été 1977. Mais ils étaient les seuls éléments disponibles pour créer le noyau d'un futur régime post-Khmer Rouge. Un programme intensif d'endoctrinement fut engagé et en avril, on put constituer le premier bataillon de l'armée rebelle à venir. Fin de citation. Donc là encore, c'est un élément de contexte qui est important. Je sais que la Chambre a fait une distinction entre le traitement des groupes spécifiques et le conflit armé, mais dans le cadre de la vision du dossier de la défense, c'est très difficile de faire une distinction, et c'est important de savoir par rapport à ce qu'on a pu entendre de certains témoins des vagues d'arrestation, des accusations de désertion ou de rébellion, de remettre les choses dans leur contexte et de savoir ce qui se passait également du côté vietnamien et à la frontière vietnamienne, qui avait effectivement un impact sur ce qui se passait au niveau de l'intérieur du Cambodge. Un autre document qui me permet d'évoquer également ces soulèvements et ces rébellions et ces défections du régime Khmer Rouge. C'est un article du Washington Post, cette fois-ci du 10 août 1978, document E3/7265-265, qui n'existe qu'en anglais et Khmer, donc ERN en anglais, 00-166-105, ERN en Khmer, 01-08-16-08, et ça se poursuit jusqu'à 16-10. Je ne vais pas lire l'intégralité de l'article, mais simplement un extrait, notamment l'introduction, en anglais donc. In English, therefore. Vietnam, which is engaged in a bitter border war with Cambodia, is reporting that a rush of insurrection has erupted across that country over the past several weeks. Many of the alleged revolts are said to have been carried out by regular army units.
ont été menées d'après les informations. Analysts in Washington say they have no way of confirming the reports put out by Vietnamese media and are suspicious that Hanoi is orchestrating a Cambodian revolutionary movement to bring pressure on Phnom Penh to settle their violent disputes. Je saute quelques paragraphes et je vais en anglais à la deuxième colonne. Paragraphs and I'm going to move on to the second column in the English. The reports of the insurrection always attributed to Cambodian defectors or prisoners of war have been coming out 2 or 3 times a week since mid-June. At that time, a statement reputedly made by a former Cambodian battalion commander said that revolutionary forces have established a base to fight against Phnom Penh. The base was said to be in Cambodia's military zone 203, which intelligence sources believe is near Mi Mot, a Cambodian town about 6 miles from the Vietnamese border. Since then, uprisings are said to have taken place at scores of towns and villages in Cambodia. Most of them are in the eastern part of the country, places such as Snow, Nik Rong, and Svay Rieng. They have also included other parts of Cambodia, such as Battambang province in the far west and Kampong Thom in the north. One former Cambodian soldier told of civilians, including civil servants, plantation workers and peasants, turning on cruel cadres and exterminating them with bombs and clubs. Ça, c'était pour les éléments de contexte. Et pour terminer, voilà ce que conclut l'article. Dernier paragraphe. At the last paragraph. The analysts believe that Hanoi is prepared to turn the pressure of the rebel movement up or down, depending on Phnom Penh's willingness to negotiate their quarrel. Fin de citation. End of quote. Oui ou non d'accord pour négocier et résoudre le litige. Donc, là aussi, élément de contexte important la montée en pression de ce qui a pu se passer à l'intérieur du Cambodge dans la zone Cambodia, est, et la montée en pression également des discussions du coup de la fin des discussions avec les Vietnamiens et avec en point d'ordre ce qui arrive en fin d'année 78 et qui va aboutir à l'arrivée des Vietnamiens en janvier 79. Et là, je renvoie à un document E3/7310, qui est une série d'articles SWB, Far Eastern Relations, en date du 5 décembre 1978, où là, on évoque la création du Front uni pour le salut national du Kampuchea, qui a été en partie créé par les réfugiés cambodgiens dans le but de renverser le régime de Phnom Penh. Et là, on a, and here, on va dire leur présentation officielle au monde avec un rapport. Et là, je renvoie au document report, like to refer you ERN to document, en anglais, at ERN in English, S0001 3294, c'est la première page du document. The first page of the document. ERN en Khmer. Khmer ERN S0113715152. Et voilà comment le mouvement se présente. The movement is presented. Premier paragraphe que je vais donc citer en anglais, puisqu'il n'y a pas de français. Because there is no French translation. An event of great historic importance took place recently in Cambodia. In an area of the liberated zone of Cambodia, a congress of representatives for the foundation of the Cambodian National Front for National Salvation was solemnly held and was crowned with success.
participating in the Congress were more than 200 representatives of all strata of the Cambodian patriotic population, workers, peasants, petit bourgeois, intellectuals, Buddhist monks and nons, young people, women, Cambodian ethnic minorities, and patriotic insurgents who had abandoned the Pol Pot, Yang Sari administration and army. Fin de citation. End of quote. Et je renvoie également à un autre article figurant dans cette compilation. Is part of this compilation de différents articles sur la période. Je renvoie également à un article de Phnom Penh Home Service, c'est à l'URN en anglais, S00133305, et l'URN en Khmer. Il faudrait que je revienne par où sur le RN en Khmer parce que je crois que ce n'est pas la bonne référence. En tout état de cause, l'article s'appelle en anglais « Cambodia alleges Vietnam planting spies among refugees ». Et là encore, nous avons un élément de contexte qui démontre que, évidemment, toute l'année 78, mais avec le point d'orgue vers la fin de l'année 78, on parle de défection et on parle évidemment de l'armée et de groupes qui s'opposent au régime de Phnom Penh. Je renvoie également au document E3/7315 qui également une série d'articles et dépêches SWB Far Eastern Relations from SWB Far et donc 25 octobre 78 et là encore à la première page du document notamment S01133715 en Khmer. Et en anglais, S00013209, et ça se poursuit évidemment sur les pages suivantes, où on évoque les différents articles qui évoquent la présence de divisions armées, vietnamiennes notamment, et là, la première page du document au URN que j'ai cité, un exemple dans un article du 24 octobre 1978 du Bangkok Post, où on a, je cite en anglais, six Vietnamese divisions fully manned at 60,000 and fully equipped have occupied Cambodian territory along the one length of the eastern border, according to intelligence reports reaching Thai military authorities. Cambodian resistance forces, backed by the Vietnamese, have occupied Kampong Cham, Ratanakiri, Snoel, and other strategic places east of the Mekong River, the report says. Deux paragraphes plus loin, le texte continue. The attempt to overthrow the Pol Pot government from inside is building up towards the dry season, which starts in 2 months. It is believed that the Cambodian resistance forces, supplied with arms and ammunition by train from southern Vietnam, could make the coup effective and quick. Fin de citation. End of quote. Exemple, this is an comme example, il y en a plusieurs dans l'intégralité de ce document, d'articles qui évoquent les avancées du mouvement rebelle à l'intérieur du Kampuchea démocratique soutenu par le Vietnam. That was supported by Vietnam. Un autre point que another je voudrais point aborder that I would sur like to discuss le segment regarding est the Vietnamese un passage is an excerpt from document E3/3995, qui est un article de Steve Heder, ERN, un article de Steve Heder, et le passage qui m'intéresse particulièrement sur le segment
et son analyse de l'expression à Korkmer avec une tête vietnamienne qui a été abordée à plusieurs reprises au cours des différentes audiences. Et donc, le document E3-3995 à l'URN en français 00800802832 à l'URN en Khmer 00844461212 et ça se poursuit sur la page suivante et à l'URN en anglais 00777337677. Je précise que cet article est intitulé Racisme, Marxisme, Catalogage et Génocide dans The Pol Pot Regime de Ben Kiernan, et que cet article est une critique de l'ouvrage de Ben Kiernan. Et voilà ce que dit aux références que je vous ai données Steve Heder. Dans sa tentative d'argumentation, Kiernan souligne le fait que de nombreuses victimes de la zone Est ont été qualifiées de Klung Khmer Balyun. Désolé pour mon accent Khmer. Expression qu'il traduit par corps Khmer avec un esprit vietnamien et qui, suggère-t-il, racialise ceux qui ont été tués. Cette expression, qui pourrait être traduite par un corps Khmer avec une tête vietnamienne, a également été utilisée par le passé pour évoquer des images de structures politiques Khmer sous le commandement du Vietnam. L'argument de Kiernan, selon lequel cette expression a été utilisée pour supprimer la majorité Khmer au motif racial qu'elle n'était pas vraiment Khmer, est dans le meilleur des cas incomplète. L'expression suggère plutôt que la direction et l'orientation politique étaient jugées plus importantes que les caractéristiques physiques déterminées biologiquement. Le fait d'être physiquement ou racialement un Khmer n'était pas une protection. La trahison à la classe et à la cause nationale était politique et elle pouvait être commise par quiconque était suspecté de refuser d'accepter la ligne politique de l'avant-garde prolétaire et d'y être fidèle, quelle que soit la couleur de sa peau, la forme de ses yeux ou la texture de ses cheveux. Fin de citation. Donc cette critique est importante puisque lorsque nous parlons de génocide, et ça a été souvent indiqué de l'autre côté de la barre, on parle de race. Là, Steve Heder remet les choses dans un contexte différent en rappelant que le problème n'est pas la race, mais que le problème est la question politique et une position politique. C'est un élément, une critique que l'on retrouve hein, également chez Henri Locard, puisque dans le document E3-7280, un document qui ne se trouve malheureusement qu'en français, ERN 00999578185818. C'est un article qui est intitulé « Des regards myopes sur le Cambodge » qui a été publié dans le journal Le Monde le 28 avril 1998. Et comme Steve Heder, Henri Locard critique les thèses de Ben Kiernan et il dit ceci, et je vais aller particulièrement lentement compte tenu de l'absence de traduction écrite. Donc ERN 00995818, dernier paragraphe en français. Il est bien évidemment impossible de vérifier les multiples preuves que Kiernan avance à l'appui de ses thèses. J'ai pu, parmi d'autres, relever trois manipulations des faits révélatrices destinées à faire entrer la réalité de l'univers Khmer Rouge dans le cadre étroit des axiomes posés a priori par l'auteur. 1. Malgré ses conclusions, Kiernan ne parvient pas à prouver que les minorités ethniques furent particulièrement victimes de la répression. Si la forte minorité vietnamienne
fut expulsé, donc épargné. Les sentiments anti-vietnamiens, largement répandus au sein de la population khmer, existaient bien avant les Khmer Rouges et sont hélas encore très répandus de nos jours. Jamais, contrairement aux affirmations de Hanoï reprises par Kiernan, il n'y eut de la part des responsables du Kampuchea démocratique de tentative de reconquête de l'ancienne Cochinchine. Former Cochin China, essentiellement une minorité religieuse musulmane et non raciale, un Khmer peut devenir Cham par mariage, périr certes en plus grand nombre que la majorité de la population, parce que certains villages du bord du Mekong eurent le front de se rebeller en masse et qu'ils renaclèrent plus que d'autres devant l'interdiction de pratiquer leur religion. Il y eut cependant moins de morts dans leur rang, 33,7% contre près de 25% pour la population dans son ensemble, selon Slivinsky, que chez les catholiques, 48,6%, catégorie dont Kiernan ne souffle mot. Chiffre à comparer avec le nombre de disparus parmi la population phnompénoise, 41,9%. Au-delà de la question des chiffres, d'évoquer des éléments sans l'intégralité de ses sources. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les discussions académiques que l'on sait d'historiens, Henri Locard pointe le fait que ce qui avait été pointé également par Heder plus tôt, à savoir que ne peut pas parler pour le Kampuchea démocratique de volonté de génocide racial, en tout cas de volonté d'extermination pour la raison de la race, mais que les événements tels qu'ils les resituent dans le Kampuchea démocratique correspondent à des répressions politiques. Un autre élément de contexte sur un autre ordre est ce qui ressort des... Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30. Il ne me reste que quelques documents à évoquer. Je ne sais pas, ça risque de prendre entre 15 et 20 minutes. Je ne sais pas si vous voulez marquer la pause et que je termine un débit plus lent après la pause ou si vous souhaitez que je termine maintenant. Complete my presentation after lunch. It is now appropriate for our lunch break. We take a break now and resume at 1:30 this afternoon. Security personnel, you instructed to take Q some pawn to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1:30. The court is now in recess.